c'est la fin d'année. Et qui dit fin d'année, dit repas de fête. Et vous savez bien que ces repas de fête sont souvent très gras, très lourds, très caloriques. Ils peuvent aller jusqu'à 2000 calories en un seul repas. Et ça correspond pratiquement à une journée alimentaire complète. Je vais vous donner des exemples concrets d'aliments classiques qu'on retrouve sur la table de fin d'année. Alors par exemple, une tranche de 40 g de foie gras, c'est 200 calories, une douzaine d'huîtres, 100 calories, 100 g de saumon, 150 calories, un magret de canard d'environ 150 g, 350 calories, et enfin, une part de bûche de 100 g, ça va être dans les 350 calories. Alors si on additionne tous ces aliments, on est déjà à plus de 1000 calories. Et si on ajoute à ça les petits canapés, le pain, les garnitures de féculents, les sauces de préparation et les boissons, alors là, c'est certain qu'on va arriver au-delà de 2000 calories. Et savez-vous ce qu'il faudrait faire pour éliminer ces 2000 calories? Eh bien, il faudrait faire 100 km en 3 heures à bicyclette. Et la bombe à calories, c'est vraiment la bûche à la fin du repas. Alors, est-ce qu'il existe une bûche traditionnelle moins calorique? Non, parce que la bûche, c'est vraiment de la génoise, de la crème au beurre et beaucoup de sucre. Mais il y a quand même une petite option, c'est de prendre une bûche glacée. Deuxième option pour les plus courageux, vous pouvez opter pour une bûche fait maison. Vous pouvez faire un simple gâteau roulé à base de génoise, de crème fouettée, de fruits frais, un peu de sucre glace pour le décor et le tour est joué. Et en dehors des repas, faites attention aux friandises au chocolat. En prenant un chocolat par jour pendant un mois, vous consommez 2000 calories.